Tu veux pas que maman s'en aille? Il est couché devant la porte. Il dirait que faut que je l'ouvre. Ok, au, au, au! Au! Titana, on s'en va au gym? On commence ça tôt. Let's go! Fait que je viens de revenir à la maison. J'étais en attente sur un téléphone. Fait que c'est pour ça que ça se peut que ça parle. Mais ouais, c'est ça, je n'ai pas filmé au gym partout. Parce qu'il y avait tellement de monde. Puis ça me gêne quand il y a plein de monde. J'ai pas envie de me faire avertir puis de me faire dire que genre j'ai plus le droit de filmer partout. Fait que j'essaie de faire ça quand même assez sleek. Mais j'ai fait du haut du corps. Fait que j'ai fait des bras, un petit peu de dos et des triceps, c'est ça. Fait que, puis du cardio un petit peu, une quinzaine de minutes de cardio au début. Fait que je suis bien contente. Là, fallait absolument que je revienne à la maison quand même assez tôt. Fait que je suis pas restée super longtemps là-bas parce que j'avais des trucs à faire puis je voulais être, je voulais commencer à 9h et rendu 10h et quart. Mais bon, j'essaie de me rattraper. Fait que c'est ce que je fais. Je vais juste finir ça parce que je suis pas capable de me concentrer. J'ai peur qu'il me parle là. Puis je vais vous parler après. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. J'ai une petite question pour vous. Bon, fait que j'ai terminé mon appel. Je suis bien contente parce que j'étais censée faire ça hier. Puis finalement, on était resté à Montréal toute l'après-midi. Là, j'ai comme pas vu le chat depuis que je suis revenue. Fait que je me demande un peu, il est où, je vais le chercher. Mais techniquement, avant de revenir ici, je voulais aller faire des petites commissions. Fait que je pense que je vais faire ça tout de suite avant vraiment de m'attarder à mes affaires parce que sinon, c'est ça, on prendra pas le temps de le faire. En fait, c'est que je voulais commander une robe sur le site du Ardennes. Et puis, il aurait juste en large, mais je suis pas mal sûre qu'il l'aurait peut-être en magasin. Fait qu'il y en a un comme à 10 minutes de chez nous. Fait que je vais juste aller voir, vite, vite. C'est une robe qui serait super belle pour l'automne, qui est genre noire avec des petites fleurs roses et tout, quand même délicat. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Alors, ça, ça pourrait être quelque chose de pas pire, et puis j'ai pas mal de travail à faire cet après-midi, justement, on est allé faire des photos hier, fait que j'aimerais ça commencer à retoucher ces photos-là, et puis c'est ça, travailler un petit peu, fait que on a une épicerie aussi à faire, il faut qu'on aille au Costco absolument aujourd'hui, on a tellement plus rien, fait que c'est ça, c'est le plan de la journée pour ce que j'en sais à date, je vais faire un petit peu de désencombrement de mon garde-robe aussi aujourd'hui, fait que plein de belles choses, plein de fun. J'ai parlé à Anto. On a un update. Lui, il va aller au Costco vu qu'il est pas loin. Puis, un matin, on s'est fait une liste d'épiceries. Pour de vrai, si vous êtes en couple, vous vivez avec une coloc ou whatever, là, et que vous faites, tu sais, dans le fond, vous êtes pas la seule personne à faire l'épicerie, faites-vous une note partagée, fait que, à laquelle les deux vous avez accès. Puis si vous avez des trucs à écrire, écrivez-le là-dessus pour l'épicerie. C'est ça qu'Anto et moi on fait. Fait que, tu sais, par exemple, on a l'épicerie normale puis on a l'épicerie Costco. Puis il écrit ce qu'il veut à, t'sais, mettons au Costco, il écrit ce qu'il veut à l'épicerie et même chose pour moi. Puis pour de vrai, c'est vraiment pratique parce que ça évite de l'écrire sur un bout de papier, là, de l'oublier ou genre ah oui c'est vrai, il m'a texté quelque chose, là, faut que je remonte dans mes textes ou t'sais, il me l'a dit, je m'en souviens plus parce que j'ai pas de mémoire. Fait que ça sauve vraiment beaucoup de troubles. Puis pour de vrai, c'est depuis que je fais ça, là, ça nous sauve la vie parce que j'arrête de tout oublier. Je reçois tout le temps des questions sur le Ardennes Entrepôt parce que j'en parle tout le temps, là, mais c'est 3848, on est quelle rue? Boulevard Taschereau. Ouais, 3848 Boulevard Taschereau. C'est toujours ici que je prends mes pièces en solde. Comme vous pouvez voir, c'est toujours, toujours, toujours en solde. J'arrive au maxi. Il y a du monde en titi. Fait que sérieux, souhaitez-moi bonne chance. Je vais amener mes sacs réutilisables. On a notre liste. On va faire ça vite. On va être sortis dans le temps de le dire. Bon, fait qu'Anto est allé au Costco. Moi, j'étais à l'épicerie. On a une tonne de sacs. Puis les deux, on a acheté. Oh my god, il y en a 3 dans le tien. Moi, il y en a 2. Fait qu'on en a 5 total. Ah, oh, ça, c'est très drôle. Ouais, non, c'est sûr, on va les congeler. J'ai acheté une sauce buffalo pour qu'on fasse avec le poulet qu'on va mettre sur la pizza ce soir.
Fait que, je suis sûre que ça va être bon. Non, oui, ça va être bon, ça. J'ai pris aussi des olives parce que j'aime les olives. J'adore les olives. J'ai pris des Kraft Dinner. Ils étaient en rabais, puis c'est vraiment des bons dépanneurs. Fait que cheddar blanc, moi, c'est mon préf. Puis j'en ai pris les originales pour en tôt. J'ai pris beaucoup de repas congelés parce que c'est ça, le midi ou quand je suis pas là en tôt, j'aime mieux qu'ils mangent ça, qu'ils mangent rien pantoute. Fait que j'ai pris, je nous ai pris chacun un au poulet et crevettes à la cajun. Il avait l'air vraiment bon. J'ai pris de la sauce à pizza. Alors j'en ai pris deux petites comme ceci. J'ai pris un mio à la limonade, deux fromages, fait qu'un jalapeno puis un normal là, léger. Du Petit Québec et pris un autre mio à l'orange. On a du stock en maudit, sérieux. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait une aussi grosse épicerie que ça, là, mais... lui, il a pris poulet général Tao x2 pour lui. Lasagne à la viande, même chose. Je me suis pris des bagels à la cannelle. Du jambon, on va en congeler un. J'ai pris deux patates douces parce que c'est vraiment bon ça avec de la viande. Des petits concombres. J'ai pris de la fausse viande hachée italienne et puis l'autre mexicaine. Ouais, c'est toujours les deux que je prenne. Je trouve que l'original est pas bien bonne. Fait que j'opte toujours pour ça. Je me suis pris des petites pommes vertes. De la poudre de curry. Ça là, hier on a goûté quelque chose qui avait du curry dedans. Puis c'est tellement bon du curry que j'ai décidé d'en acheter. De la laitue puis un autre petite lasagne. J'ai pris du pain. Check comment il arrache mon pain. J'avais mis du stock dessus. Je sais pas comment on fait pour le remettre normal. J'ai pris du pain à des pains à hamburger. Vu qu'il reste des boulettes. Des végés. J'essaie de faire ça vite pour vrai parce qu'il y a tellement de stock. On achève. Fait qu'Anto a pris des asperges, des céleris, miam, j'avais tellement hâte de manger ça. Il nous a pris des poitrines de poulet qu'on congèle individuellement. On les met en paquet 2 puis c'est vraiment pratique à faire décongeler. Des piments. Oh, on pourrait se faire des fajitas cette semaine. Des bartan granola, comme ça. Il y en a énormément, ça dure vraiment longtemps puis... Quand t'as envie d'un petit truc sucré, c'est bien pratique. J'ai pris, Anto a pris 7 céréales, des barres cachis, 7 céréales avec quinoa. Il y en a 20 au miel, avoine et lin et 20 aux brisures de chocolat et chia. Il a pris du blanc d'œuf. Oh bébé! Allô? Qu'est-ce que tu fais? Et dans le dernier sac, des œufs. Oh, je suis foncée de même là. Des œufs, des petites tomates. Ouf! Du lait, puis des tortillas. Ah, oh, original, comme pomme, comme sa mère a l'acheté. Oh. Bibi, qu'est-ce que tu fais là? Hello? Pensez-vous que c'était nécessaire qu'on fasse une épicerie? On n'avait plus rien. Sérieusement, je sais pas c'est quand j'ai vu le frigo plein comme ça. Je trouve ça tellement satisfaisant, là. Congèle aussi, là, mais plein de pain. On a également congelé les poitrines de poulet, fait qu'on les met en paquet de deux, fait comme ça, dès qu'on en a besoin pour un repas, on fait juste en décongeler un paquet, et c'est génial. Puis la fausse viande, Eve aussi, là, elle aussi, on la congèle, puis ça goûte la même chose quand on la décongèle, fait que c'est ça, tout est plein. On est content. Fait que je m'assois, je m'installe avec mon gigantesque pichet d'eau. Pas si gigantesque que ça, là, mais je me suis fait une limonade. C'est vraiment mon obsession ces temps-ci. Je me mets un citron complet là-dedans avec du stevia liquide là, en push-push avec un petit peu de glace et puis de l'eau. Et c'est délicieux. C'est tellement rafraîchissant. J'ai quand même pas mal de travail à faire, fait que je vais commencer ça tout de suite. Oh! Avant, je vais vous montrer mes petits achats. On procrastine ou on procrastine pas, hein? J'ai pas trouvé ce que je voulais. Par contre, j'ai trouvé cette petite robe-ci. Je la trouve vraiment belle. Elle est comme un genre de faux lin, on dirait. Ou je sais pas si c'est du vrai lin ou ça existe du faux lin. Mais, en tout cas, je sais pas trop c'est quoi le matériel, on va le dire, là. C'est une petite robe comme ça, à strap spaghetti. Elle est comme grise, lignée, avec un petit cordon. Fait qu'elle ressemble à ça. Oh! Avec un petit col en V. Et puis, j'aime bien la longueur aussi. Je trouve qu'elle descend juste comme au niveau des genoux. Fait que c'est parfait.
Je pense que ça va être super cute. Tu sais, tu peux le mettre comme super casual si tu vas aller à la plage, ou tu peux le mettre genre quand même dressy si tu veux pour une soirée. Fait que vous savez, j'adore ce genre de pièces. Et ils ont sorti le stock d'hiver de l'année passée qui n'avait pas fini de passer. Donc, ces bottes-ci que j'aimais vraiment beaucoup. Je suis vraiment obsédée tout le temps là, par les petites bottes noires à talons hauts. Puis j'aime ces talons-là parce qu'ils sont vraiment pas trop hauts. Fait que ça, je trouve ça parfait, mettons, pour aller à l'école ou pour aller travailler ou whatever. Fait que, ouais, ça m'a coûté 25$ pour les deux. Fait que, on s'entend que c'est un pas pire deal. En faisant le montage de ces vlogs-ci, je me suis rendu compte que je vous avais promis de faire un ménage à mon garde-robe que j'ai jamais fait, mais pour de vrai, je voulais absolument le faire. Fait que, j'ai inclus ce petit clip-là à l'intérieur, juste pour dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que, je vais vous montrer un petit avant. On va faire un ménage, puis on va voir le après. Je suis sûre et certaine que ça va faire du bien. Fait que ça, c'est mon bureau. Un petit peu en désordre, mais c'est correct. Et juste ici, c'est mes deux portes de garde-robe. Fait que mon garde-robe de bureau, il y a quand même pas mal de stock de travail. Il y a pas mal de stock random. Fait que ça ressemble à ça. En haut, j'ai comme plein de papiers, des trucs d'entraînement, mic pour enregistrer que j'utilise juste jamais. Des chapeaux que je savais pas où mettre. Ça, c'est tout comme mes coton ouaté, laine, puis ben pas laine, mais chandail plus chaud que je porte pas en été. Je les ai mis là juste parce que même des fois, le soir, on aime ça s'en servir. J'ai des petits sacs à dos ici. Là-dedans, j'ai plein de choses random. Mais j'ai pas envie de m'attaquer à ça pour aujourd'hui. Fait que c'est ça, sur le côté, j'ai des cartons qui sont super pratiques pour des shootings, choses comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai genre un sac à dos à terre en moton. Et sinon, à droite, dans le fond, là, je pense... Tu sais, j'ai des sacs en haut, des choses comme ça. Ça, c'est un album photo que j'ai jamais... faite encore, mais que je veux vraiment faire. Puis c'est ça, tout plein de manteaux ici. Un autre truc de... tous des cahiers là-dedans. Fait que ça, je veux faire un ménage. Et des sacs de travail ici. Fait que je penserais pas qu'on s'attaque à ça. Ça va être vraiment plus, je pense, ici qu'on va faire un ménage, puis en haut. Parce que, tu sais, j'aimerais ça rendre ça comme... au moins que l'espace puisse être utilisé ou maximisé. Fait que je vais voir comment je pourrais comme ranger mes sacs en haut, tu sais, qu'ils soient tous cordés. Ça pourrait être pas pire, ça. Fait que je vais commencer par ça, vu que c'est ce qui risque d'aller le mieux. Fait que dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est crayons, choses comme ça. Je penserais pas vraiment toucher à ça, pour être honnête. Je vais genre déplacer des trucs, mais that's it. Dans le deuxième, c'est des crayons à colorier, des petites fiches pour des notes. Ça, c'est des photos qui étaient justement pour mettre dans l'album photo que j'ai jamais fait encore. Fait que, éventuellement, là, mais faut juste que je prenne le temps de le faire. Ça va être plus ces deux gros-là qu'on va faire. Alors, tu sais, j'ai plein de cahiers d'école que je veux sortir parce que c'est le temps où est-ce qu'il faut les vendre. Fait que je vais faire ça. Puis, même chose pour le dernier qui est vraiment overflow. Ça, c'est des nouveaux cahiers pour écrire que j'ai pris au Walmart. Fait que si jamais vous voulez des beaux cahiers pour le back to school, là, j'ai pris celui-là et j'en ai pris deux autres. Je suis même pas capable d'ouvrir mon tiroir, c'est pas une joke, là. Ça va faire du bien, hein? Fait que c'est ça, j'ai pris un qui est écrit « note » comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Un petit rose pâle avec une fleur, ben une feuille. Et puis ce petit dernier-là qui est plus « funky ». Fait que, ouais, je les aime vraiment beaucoup. Il était vraiment pas cher, même pas 3$ chacun. Fait que si jamais vous en voulez pour le « back to school », allez voir Walmart. Alors, on commence ça. Ça, c'est un truc que mes parents m'ont toujours appris, que tes anciens agendas, mettons, des 2-3 dernières années, garde-les tout le temps. Surtout si c'est un business, là, c'est vraiment pratique pour retourner en arrière puis voir, mettons, le kilométrage et ce genre de choses-là. Fait que c'est ça, je garde toujours mes agendas des, comme, c'est ça, 2-3 dernières années, je dirais. Je pense que je vais tout enlever, ce qui se trouve en haut, pour vraiment repartir à neuf. D'ailleurs, j'ai pris cette petite sacoche-là, Warden, il n'y a vraiment pas longtemps. Hein. Elle est quand même grosse, en fait, là, mais avec genre faux suède d'un côté. Je la trouve tellement belle pour l'automne. Là. Il y a comme une grosse trappe aussi qui vient avec. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'aime bien la grosseur. T'sais, mettons ça pour aller à l'école, tu peux mettre tes cahiers, puis c'est parfait. Fait que même pour aller au travail, là, un petit ordi rentre là-dedans, c'est sûr et certain. Ça à la poubelle, il est fini. Il se défait tellement là, ça fait de la merde partout. Alors ça, direction poubelle. Ça, je sais comme pas où les mettre, c'est genre des poids quand je fais des exercices à la maison. Non, j'aurais pas le choix de les laisser là par exemple.
Je sais pas où les mettre d'autres. Et puis ça, c'est tous mes papiers personnels. Fait que je le trouve tellement beau. Je l'avais pris au Winner, je crois, l'année passée. Puis 10$ même pas. J'en ai vu des super beaux encore cette année. Si jamais il y en a qui cherchent des porte-documents, là. Vraiment cutie! Fait que la seule chose qui me reste, c'est ces petits trucs-là ici. Fait que ça, c'est tous les livres qu'il va falloir que je m'occupe pour l'école puis que j'essaye de vendre. Et ça, je vais ranger ça ailleurs. Ça, je vais aller le porter dans le bureau en taux, dans notre place déco. Ça, c'est plein de petits gants que ma belle-mère m'avait donné, mais elle m'en a donné comme 3 paires. Puis j'en ai assez de une, fait que je vais juste donner ces deux-là. Puis comme je disais, je vais jeter ce tapis-ci. Fait que c'est pas mal fini. J'ai pas fait, tu sais, grand chose, mais c'est vraiment juste ça l'essentiel que je voulais faire. Fait que j'ai tassé comme toutes les choses que je me sers pas vraiment en haut là. Mes chapeaux ici, qu'il faudrait que je trouve une meilleure façon d'organiser. Mais pour l'instant, c'est bien correct. Puis tous mes sacs à dos sont classés ici. Fait que je trouve que c'est plus accessible. Je peux les voir, ils traînent pas, ils sont pas dans le chemin. Et puis ça fait que ça libère aussi cet espace-ci que je trouvais un petit peu tout pogné. Fait que ça, je vais ramener ça dans mon garde-robe. Ah, j'ai juste pas tasser mon petit sac à dos de... Oh, voilà. Ben, c'est parfait. Fait que, ouais, j'aime ça. Nice. Tu sais, c'est juste pour dire là, que c'est propre et que ça traîne pas. Fait que, d'habitude, là, ça s'accumulait comme en arrière de ma porte, tout là, c'était tout clutter. Fait que, je suis contente. Mes papiers sont classés, mes choses sont placées. Puis ça, j'ai fait un ménage là-dedans il y a pas si longtemps que ça non plus. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est tous mes produits de travel. Travel size, là, c'est ça que j'apporte quand je voyage. Ça, c'est plus que ce qui est maquillage d'Halloween. Je préfère un ménage là-dedans. Mais tu sais jamais de quoi tu vas avoir besoin quand tu fais du maquillage d'Halloween, hein? Des faux ongles. Faudrait bien que je m'en fasse. Mais l'affaire, c'est qu'avec ma job en ce moment, on dirait que j'ai comme peur qu'ils tiennent pas ou genre qu'ils se ramassent dans l'assiette d'un client. Puis ça serait pas nice. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu réticente. Sinon, tout ce qui est, mettons, rallonge, électronique, portefeuille, lunettes de soleil, puis en bas, c'est tout mon stock de travail. Il est trop lourd, je suis pas capable de l'ouvrir. Bref, ça, c'est organisé comme je le veux. On organise aussi ces petits racks-là. Fait que celui-ci est plus papeterie, chose comme ça. Fait que je vais montrer celui-ci, ça a pas changé. Là, j'ai sorti mes trucs de photos. Les photos, puis l'album photo, parce que je me dis que j'ai arrêté de procrastiner, là, je vais les placer dedans. C'est correct, là. Ça, je voulais juste comme écrire à l'arrière des photos, c'était de quelle date, mais là, tu sais, je me dis à un moment donné, c'est correct, là, c'est pas grave. Fait que, on va s'en tenir à ça, sinon ça se fera jamais. J'ai replacé tout ça, fait que dans le premier tiroir, c'est vraiment plus les cahiers que je vais me servir comme en ce moment, des feux lignés, puis mon petit cahier cartable avec mon étui à crayon de tous les jours. Et en bas, c'est tout ce que je me sers un peu moins. Là. Fait que, tu sais, des cartables vides, justement, mes anciens agendas. Et puis, des cahiers de notes pleins qu'il faut que je garde. Fait que, ouais, je suis bien contente. Ça fait du bien. Comme je disais, là-dedans, c'est vraiment plus du stock que mon sac de caméra, sac d'ordi. Puis ça, c'est la ring light. Fait que, puis ça, dans le fond, pour mon cours, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'automne, mon prof nous avait fait imprimer toutes les feuilles. On n'avait pas le choix. Fait que, ce que je fais, moi, c'est que je les garde, puis même si c'est écrit quelque chose au verso, je les prends, puis je prends des notes là-dessus des fois quand j'ai pas besoin d'être au propre, là. Fait qu'au moins, c'est pas perdu, j'en ai une tonne, puis si jamais j'ai des trucs à réimprimer, ben je vais juste prendre le côté qui est pas imprimé, puis je vais imprimer ça là-dessus. Fait comme ça, il y aura pas mal moins de gaspillage. Fait que on fait ce qu'on peut. Je vais juste avoir à ramasser les petites choses qui traînent, puis ça va être fini. Je suis vraiment contente, tu sais. C'est le genre d'affaire que tu repousses tout le temps, mais que quand tu fais, c'est tellement pas trop long. Puis après ça, t'es super satisfaite de l'avoir fait. Fait que je suis contente. Bon, ça a l'air qu'il faut que je fasse un souper et que je vlogue en même temps. Fait que ça a l'air que c'est ça. Exactement. Fait que je vais couper les piments. Après ça, on fait une pizza maison avec des tortillas comme pain de pizza. Lequel fromage qu'on prend? Ben, c'est ça, j'ai acheté le jalapeno. Fromage jalapeno. Alors, on a fait mariner du poulet avec la sauce buffalo. On va tester ça, voir si c'est bon. Puis, piment, oignon, fromage, quoi d'autre? On fait ça. Thank you.
fait bien ça. Merci. Merci à toi. Je m'en viens t'aider. Oh! Cutie. Ils sont beaux, les souliers. Elle est trop cute, la petite fille, check ça. Ils ont des yellow. Ont leur calendrier de la rentrée 2019. Puis ils ont des dad shoes, eux-mêmes. Hmm. Ils sont beaux, eux autres. Je magasinais tout le temps mes souliers-là quand j'étais plus jeune. Yeah, monsieur. Ouh, ça sent tellement bon. La tienne, je la remettrais. La mienne aussi, mais moins longtemps. Ça a l'air tellement bon, sérieux. Fait que, on a mis ça sur nos belles petites plaques d'ardoise. On va manger ça devant notre bon film. Mm-hmm. On va partir à Avengers dans pas long. Fait que, dès qu'il finit ça, on va écouter ça. Et puis, on va manger. Fait que, bon appétit. Ça a l'air vraiment délicieux. Puis, c'est sûr, ça va être bon. Le film était vraiment, vraiment, vraiment très bon. Très long. Il a duré genre 3 heures. Mais c'est pour ça qu'on s'est couché dans le divan-lit. Ça a fait du bien. C'était le fun. C'était relax. Puis, ouais, c'était super cool. Fait que, c'était relaxant. Fait que là-dessus, ben, je pense que je vais terminer le vlog. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog-ci. Et nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde. We'll be right back.